Après Marion Cotillard et Flavie Flamand, Adèle Haenel reçoit un nouveau soutien, et de taille, celui de l'actrice Isabelle Adjani. Un soutien rédigé dans une lettre ouverte publiée ce mardi dans les Arocs. Pour Isabelle Adjani, la prise de parole d'Annelle et d'elle dans Mediapart, lors de laquelle l'actrice a confié avoir subi des attouchements sexuels par le réalisateur Christophe Ruggia, a créé un véritable renversement. Adèle Haenel ne savait pas qu'elle était celle que l'on attendait pour remettre la victime au centre de l'attention. Plus loin, Isabelle Adjani ajoute : l'histoire Adèle, c'est l'anti-affaire Weinstein. C'est l'histoire de l'oppression des femmes, l'histoire des trois H, harcèlement, humiliation et honte. Adèle Haenel ne fait pas le procès de Christophe Ruggia. Il n'y a pas d'affaire Ruggia. Il y a l'histoire Adèle Haenel. Et c'est dans des termes élogieux à l'égard de la jeune actrice qu'Isabelle Adjani conclut sa lettre. J'admire le courage et la dignité avec lesquels Adèle Haenel a pu et su faire face à son histoire. Elle a vécu cette terreur des mots qui n'empêchent pas de parler, mais qu'il ne faut pas dire. Elle vient de les expulser, de les restituer sans vomir, sans les cracher à la gueule des salles, qui sévissent sur les plateaux, dans les bureaux, dans le métro, dans la rue, dans l'intimité conjugale. Si Christophe Ruggia nie les faits, mais a présenté ses excuses à l'actrice, le parquet de Paris a quant à lui ouvert une enquête à l'encontre du réalisateur.